banque des damnés, du crédit des Maccabées. Ah, une invention aussi simple que plaisante. J'adore. Investissement, double rendement. L'économie parfaite.
Tsu est un toutou mort. Munitions au max. Ça fait presque trop de munitions. Je devrais peut-être les partager avec vous, crétins de mort-vivant. Donnez-moi des points. Mais vous n'auriez pas de désinfectant, non? Vraiment? Très bonus! Suis-je le seul à entendre l'odeur de ces choses?
Mark 6 ? Arrête, Edward. Ce n'est peut-être qu'une autre hallucination. Sûrement. Je ne me mettrai jamais dans une situation telle que... Oh, mon Dieu ! Tout pourrait changer ! Merveilleuse petite noisette, tu es toujours là pour m'apaiser et m'aider à réfléchir. Vous êtes à l'abri depuis trop longtemps, mes petites glaces à l'eau. Vous pourriez peut-être servir... non, je vous préfère comme ça. Désolé, ce bras était à vous. Bon sang, Edward, réfléchis. Oui, c'est mal parti, mais tu peux faire quelque chose. Si un livre peut se réécrire tout seul, on peut le réécrire. C'est la première loi des voyages interdimensionnels. Je suis perdu. Je visais le cerveau! On n'a pas quelqu'un pour ça? L'un de vous, par exemple! Le directeur d'Alcatraz pointe enfin le bout de son nez. C'est ça, cher directeur. Je savais qui vous étiez depuis le début dans votre minable déguisement de gardien. Je ne laisserai pas un occultiste immatériel de second rang prendre le dessus. Mort instantanée! C'était bon, je pense. Était-ce une note de regret dans le cri de ce zombie? Il me semble. Celle-ci n'était pas si mauvaise. Ah, c'est immonde! Hop, hop.
Alcatraz, réveille-toi. Il est temps d'accueillir nos invités. Comment je peux travailler sans munitions ?